Depuis quel temps Haïti chita en bamé États-Unis, Canada, la France, trois pays sa yo a fait passe, chaque monde a essayé chercher ouais comment yo cap gérer sa goun pou yo. Cependant, peuple a continué tout pizi. Après le mort Jovenel Moïse, bagay yo vin pi grave, en pile sanction a sorti dans international là, Italie campé li révoqué plusieurs conciles honoraires qu'elle te gagne pays ya, Sherif Abdallah, même jan tout à pays Arabie Saoudite qui voyait jeter bien loin moun qui te représente yo en Haïti. Et selon rapport yo fait konnen moun sa yo nan gang yo nan financier bandi. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout moun, yon fwa ankòm salye tout zami ki konekte ansanm avèk et deja n di si la yo merci ki toujou la ki pa janm lage et kap kebe nan pou toujou kebe yo informé. Nou se rezon information Sofia TV 83 an pi l'information nan nouvel la pou jodi a. Les organisations ki fin si yon koze yo installé madame Maniga nan tèt pe yo bay madame nan 3 mois fran san ou ete ni mete pou l bay réponse à ça ou vous venez faire sinon bagay yo pral changer phase yo pral prendre l'aria pour demander démission Milan Maniga dans tête pays dans ces petits caribéens yo nommé non fort Jean-Max Belrive ak Laurent Lamotte Michel Matéli Jovenel Moïse ak un pilote moun ki gagote l'agent ça même Jean tout yo pas oublié Evans Paul jodi a c'est une cacophonie cause ça retourner lever encore moun yo déménager pour yo prendre l'aria al marché la caille moun sa yo pour demander yo qui côté yo faire ak la agence. Pourtant, il y a un sénateur Timonite qui a un pile quoi qui passe dans le mail selon sa yo dit qui fait rapport. Mettez nous un pile moun, mais pourtant, quoi qui est tombé dans le mail pour te faire baray, nagona yvio, tout comme ça yo gaspillé, personne moun par contre qui route yo fait. Ma content pour me présenter une information sa yo qui te m'dit Bousta John à l'antenne. Nous c'est Sofia TV 83, n'a continué informer en temps réel et puis porter pour vous toute dernière information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Si vous pouvez faire ça, abonnez à Chanel Paola et on va vous informer sans gratitude. La France a utilisé Saint-Domingue l'enfigué nous. Complot a fait mal. Il fait nous crier et Noël. Et nous pas qu'à faire bac devant. Frère Samyo, moi connais qu'on va racheter pour Jean West situation pays. Pas de monde là qui accepte Jean pays à venir là. Pas de personne qui accepte ça passant dans pays dans figino là pendant que nous en Amérique là même côté avec Canada même côté avec États-Unis nous voyons comment yo aidé Saint-Domingue depuis sous chat de guerre que yo t'a voyé by Saint-Domingue États-Unis t'a voyé by Saint-Domingue non nous te connait que yo t'a préparé Saint-Domingue pour protéger tête yo côté que yo t'a pas mettre en pile zam en Haïti pour nous yon détruire l'autre parce que vous voulez finir avec nous. Nous en 2023. Bon Dieu permette, après la mort de Jean-Jacques Dessalines, Dieu nous vient ouvrir en 2023. En 2023, ça, et nous dit nous décider pour que les États-Unis, la France, Canada reconnaissent nous. Nous décider pour que l'international ait respect pour nous. Nous décider, dit à l'international là, nous pas prendre encore. Nous décider dit au premier ministre le gouvernement du Canada assez c'est assez. Jouet qui te qu'on a joué à, nous pas l'en jouer ça encore. Haïti qui a souffri aujourd'hui, c'est un complot but bien déterminé avec un homme que nous te mettez pour nous installer et nous te encouragé par des ambassadeurs pour éliminer yon président l'enfigé nous et je dis nous bouquer nous frustrer et nous dit non installer Ariel Henry dans pays nous comprendre ni Ariel Henry fait face devant Canada automatiquement Canada a arrêté le mettre en prison si Ariel Henry était ici au Canada quel que soit moun que non impliqué dans la mort non impliqué l'arrangement, l'organiser, eh bien, la mort, ou bien, envers un président, moun sa pas tap gen souffle. Automatiquement, FBI, qui d'autre, eh bien, tap gen vini, yo arrêté à l'échelle internationale. Je dis à nous kweke, moment changement pays, a, li pa l'emmen ni de, ni toi. Changement pays, à l'emmen, mesdames, messieurs, c'est pas l'argent pour faire, c'est volonté. Révolution pays, l'international,
n'est pas camper garder qui pour lier, c'est volonté. Changement pays d'Haïti, réel qu'on a cherché, ce n'est pas mander pour nous mander, c'est bataille pour nous, bataille pour lui. Changement l'autre Haïti, côté qu'on a gardé, il a fait Mardi Gras devant Figuinou en 2023. Ce n'est pas tant pour nous tant après, yo, mais c'est prendre pour nous prendre. Jodi a nous dit au gouvernement du Canada, assez, c'est assez. Yo grié dans la Figuinou trop. Côté que nous finissons passer misère en bas la France, nous finissons passer misère en bas États-Unis. Mais maintenant, c'est Canada, c'est comme si son ballon clampier yo, yo chaque fois fait un shoot là-dedans. Je dis à nous demander que la population haïtienne, que yo réveille yo. Et nous disons avec tout jeune yo, sur réseau, hein, qu'à bataille, qu'à dénoncer, continuer à dénoncer. Nous disons avec tout jeune fille yo, tout jeune garçon yo, qu'à dénoncer, continuer à dénoncer. Mais bataille là, l'a fait autrement aussi. Ça fait 50 ans, nous t'a volé, mais fuck ça cesse. Mais il pas dit pour tête li non, il dit pour nous. Et nous on nèg yo, yo tué président la même situation. Et je souhaite comment y est. Bonsoir PDG. Yes. Ah, vous êtes là? Yes. Et bonsoir avec chaque fidèle auditeur, auditrice. Rapide, rapide, on a regardé ça qui domine l'actualité. Fondation J'éclairé, notre tête collée à l'ambassade américaine en Haïti, lancé jeudi 9 février, il y a un atelier de travail qui a duré deux jours sous corruption. Dans l'idée pour sensibiliser plus secteur dans la vie nationale. Il y a un fléau qui a activité ça, réalisé en baptême. Bataille contre corruption, yon engagement citoyen. Activité ça déroulé en présence chargé d'affaires États-Unis en Haïti à Eric Sommayer, directeur ministère justice, représentant parti politique et la trier. Ma intervention, président fondation GKEA, M. Samuel Madiste, présenté travail fondation réalisé dans le pays depuis l'année 2017. Mais lutte pour sensibiliser société a, pendant le dénoncer injustice sociale qu'a fait notre pays a, quand même dernier temps à eux. Ça, aujourd'hui, mais ça ne m'a dit que, c'est qu'on est, Fondation J'éclairé, depuis existence-là, dans l'année 2017, l'a déjà produit plus passé 20 rapports dans le pays a, y'a manière pour eux, dans qui les yeux, y'a capable de porter contribution dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Organisation Petro Challenger, nous pas complices, baillons ultimatum de 3 mois avec le conseil transition pour capable délivrer marchandises là. Ricardo Floridor, qui fait porte-parole, nous pas complices, fait qu'on est toutefois après 3 mois, acceptez à pas qu'à délivrer marchandises là, acceptez à pas qu'à arriver, résoudre le problème insécurité qui est le pays là, que peuple après la rue. Et comme Petro Challenger, yo même, c'est même groupe qui a bataille contre le président Jovenel Moïse pour quoi Petro Caribéen. Effectivement, c'est même groupe qui a bataille contre Jovenel Moïse pour l'agent Petro Caribéen, malgré qu'on est clairement qui côté l'agent Petro Caribéen a été dépensé, il a juste utilisé la question de l'agent Petro Caribéen comme choix de bataille pour être capable de vivre. Permettre qu'on assassine le président. Donc, Jean-Laurent, je dis là, pour qui ça veut dire, pas de l'agent Petro-Caribé, qu'a demandé encore, et pour qui ça veut dire, la famille Bossin, pas impliquée dans le rapport Petro-Caribé, parce que la famille Bossin mangeait plus passé 300 millions de dollars américains, mais que sur l'agent Petro-Caribé. Et aussi, nous allons faire une analyse pour le peuple là, Yves Juste. Vous comprenez maintenant pour qui ça yo dit que tout haïtien yo même là à l'école yo rete sot yo capable utiliser yo Jean yo vle. Mais nous même nous voulons faire comprendre que menti c'est pas tout haïtien qui sort même là yo mettez devant nous c'est nous tout qui sort c'est pas nous tout qui sort en aller Jovenel Yves Juste a impliqué président Jovenel t'a impliqué dans l'agent Petro Caribéa c'est pas Martel qui t'a mettre qui t'a fait l'impliquer. Ou ça lui correcte dire, parce que même nous bien, lorsque Petro Caribé, c'est pour initier le pays là, pays Venezuela, c'est pour nous 4 premiers millions de gouttes,
de dollars pour être que nous capables de développer le pays, c'est sous deux gouvernements qui ont passé. Deux gouvernements ça resté. C'est mandat préval avec des rivaux et puis tout mandat mentaliste qui commençait avec Laurent Lamotte là, qui vient finir sous Evans Paul là. Ça veut dire que c'est deux gouvernements qui impliquent directement dans le dossier de l'argent Petro-Caribéa. Donc pour ce que vous dites là, si le président Jovenel Moïse t'a impliqué dans l'argent Petro-Caribé, il est directement de Michel Mantelli qui t'a impliqué président, parce que sous administration président Jovenel Moïse, pas de question l'argent Petro-Caribé. Ok. Normalement, Evans Paul, automatiquement, il est en pouvoir ça. Est-ce que Evans Paul, yo pas supposé demander Evans Paul comme Petro-Caribéa? Oui, correct. Je viens pas supposé demander Evans Paul côté là c'est Petro-Caribéa passé, parce que sous Michel Martelly, Evans Paul, c'est pour le ministre, qui est en pile l'argent tout, qui te décaissé le cadre l'argent Petro-Caribéa. Et ce que ne pas jamais lié, Evans Paul fait tout temps avant que le premier ministre, lui te guéon. Toi, tu la Kalia, qui s'est omis, qui t'est tombé depuis le 12 janvier 2010, il n'y a pas jamais qu'à réparer, ni ça t'est tombé là. Automatiquement, il nous fait premier ministre, dans une semaine seulement, ni ça a été réparé. Qui côté, Evans Paul, c'est que t'es jeune l'agent ça? Est-ce que c'est comme, Pinati, t'es mis à la disposition de Evans Paul, qui t'a financé jusqu'à présent, nous pas qu'à dire rien. Mais c'est ça qu'a dit Evans Paul, lui participer, bel et bien, la question, l'argent Petro-Caribéa. Et ça nous dit clair de ça. Pour nous, capter de nous là, question l'argent Petro-Caribéa, c'était un politique pour te recommander que j'étais capable de bataille contre le président Jovenel Moïse. Parce que, il y a un monde qui écrit du dossier sous l'argent Petro-Caribéa, lui participer dans l'argent Petro-Caribéa tout. Parce que, il était gagné 5 millions de dollars. C'est un mot pour le faire un projet, le Gonaïve, il n'a pas fait un rien, le Gonaïve. Pas un projet, que le dégât pour le faire, le Gonaïve, c'est pour comment que, il était capable de nettoyer, là, le Gonaïve, là, qui était un paquet de déchets là-dedans. Et bien, lui, il a tort sur lui-même, qui était gagné 5 millions de dollars. La question là, c'est que le Caribe là, il n'y a pas de carré avec le Gonaïve, et je dis, ouais, c'est monsieur qui te pose du rapport de la Gonaïve au Caribe. Lui connaît ce qui est 5 millions de dollars, mais Petro-Caribé, lui même tout, lui pas maintenant, mais la force là. Ça veut dire, des mines qui ont demandé, tout le monde voit un des pays, tout le monde voit eux-mêmes. Exactement. Comment que Martelly, pas jamais de manifestation qui fait derrière elle, qui t'a ouvert qu'est-ce comme Petro-Caribé, avec Laurent Lamotte, Evans Paul, Mounsayo, Yogel La Paix, pendant que président Jovenel Moïse, lui-même, il a cherché, qui va même connaître. Il a dit que c'est lui-même qui a nommé 69 fois dans le club Petro-Caribé. Il y a des gens qui n'ont pas aucune clé. Il y a des gens qui ont dormi dans l'antiquel. Il y a le déiel, il y a le réveil. Et puis même Pep Sadou, c'est lui qui vole le club Petro-Caribé. Et pourtant, Pep Sadou n'a jamais levé une fois contre le vrai volet qui est le Michel Martelly pour le club Petro-Caribé. Comment trouver ça? Effectivement, Bosta. Il n'y a pas besoin de l'autre contre Michel Martelly, parce que Michel Martelly a baillé mille gouttes, mais il arrive au côté. Il n'y a pas besoin de l'autre contre Michel Martelly, parce que Michel Martelly continue à descendre le pantalon, mais à jouer dans la zone de l'autre. Et déjà, disons, non seulement Michel Martelly, il y a un cas de honneur pour la rue, pour demander contre l'argent de Petro-Caribéa passé sous gouvernement, il y a un ancien premier ministre qui passait dans le pays là. Qui t'a dégagé un pire règlement de compte tout vos stats. Côté que, sous ancien premier ministre, t'es sous lui-même, Petro-Caribé a commencé, et seulement sous lui-même, lui t'a décaissé trois agents, les quatre dossiers Petro-Caribé. Nous voulons parler de Jean-Marc Delrive. Jean-Marc Delrive, vos stats, t'es monsieur qui commençait à gaspiller l'argent Petro-Caribé. Et jusqu'à présent, pas jamais un monde qui dit Jean-Marc Delrive, qui sont des pouvoirs, qui sont achetés avec l'argent Petro-Caribé. Et vous pouvez jamais demander un système, une manifestation à faire devant Jean-Marc Delrive pour demander un rapport sur l'argent Petro-Caribé. C'est pour une raison d'où les haïtiens, carte politique, toujours utiliser l'argent pour orienter les gens qui manifestent, pour manifester dans tel endroit. Je veux dire,
Si vous manifestez contre les gens qui mangent l'argent fait au Caraïbe, il y a deux pour les ministres qui passent dans le cargo de l'argent fait au Caraïbe, nous ne pouvons pas au mieux pas demander de mettre l'argent chaque jour de l'été. Qui sait, Jean-Marc Belrive avec Laurent Lamotte, deux ministres qui ont mangé l'argent fait au Caraïbe à eux-mêmes seuls. Exactement, parce que Laurent Lamotte, je dis que nous sommes en Haïti, et ou bien nous sommes qui tout côté, mais yo pas jamais dit rien. Et l'air garde Laurent Lamotte, comme si parfois qui monte sous. Mais t'es des nègres pour des. Bon, Laurent Lamotte, là, de toute façon, nous pas baille tête, nous menti. Et déjà, depuis sous ça, que nous, qui Afrique Tefel, nous connaissons son petit volet, son petit gangou, son petit vicieux. Cela veut dire que automatiquement, Laurent Lamotte, c'est une dans monde que peuple là, pas ta supposé quitter à marcher en de pays à tranquille. Parce que fuck lui-même. J'ai t'a dit que président Jovenel Moïse, j'ai t'a rend président Jovenel Moïse sans souffle. En de pays pour compter au Caribéa. Et nous, depuis que le président a fini manger, il a fini assassiner, et bien nous, que Laurent Lamotte lui-même, garde Campel en de pays, et garde Campel bon côté, et bien, peuple haïtien, il n'y a pas jamais aller de voler. Parce que, Evans Paul, Lila, mais ça grave, mes amis. Mesdames, messieurs, par contre, nous grave en pile, oui. Quand il y a là pour garder les gens qui parlent avec Laurent Lamotte, ce n'est pas un problème lié pour lui. Laurent Lamotte là, et puis Evans Paul, un seul coup, Lila. Maintenant, nous, que le président Jovenel Moïse, il n'y a pas de mettre d'il pour l'argent Petro-Caribé. Mais Laurent Lamotte là, mais Maté Lila, mais Evans Paul là, est-ce que international, est-ce que oligarque, est-ce que arabe, il n'y a pas de raison pour dire, même les dans l'école, nous étions sortis vrais. Quand il n'y a pas de monde pour pas t'abdomen devant porte la caillou. Et pas nèg sa yo pour nous ta kembe tout temps. Nous pas besoin connait qui ça nous ta capable faire yo. Et pas sou yo pour nous ta arriver. Si c'est enlever n'a pas enlever yo, nous enlever yo. Jodi a là, yon citoyen qui sorti côté le sorti, l'enragé. Maintenant c'est lui même qui gagne rapport 69 fois Reginald Boulos. Il pas gagne comme Pedro Caribe dans mel, il juste. Nous ça si Reginald Boulos comme Pedro Caribe dans mel. Reginald Boulos, l'argent prêté dans Omar. Pour la faire business lié. C'est l'argent Petro Caribe. C'est l'argent si malheureusement qui travaille dans le factory. Mais tout l'argent sur l'argent Petro Caribe. L'homme est dans le secteur privé. L'argent FDI, qui fait fonds de développement industriel, pour la prêter plus passé 20 à 30 millions de dollars là-dedans. Quand le FDI comme ça, c'est l'argent Petro Caribe. Je vais faire pour nous autres, nous jouons. Si Dieu. Les organisations qui ont défendu l'argent Petro Caribe, le pays a tout besoin, pas qu'à des prisons pour mettre des volets qui mangent l'argent Petro Caribe. Et vous salut clair tout. Il y a des journalistes qui mangent l'argent Petro Caribe à tout le monde. Gagne. Gagne. Gagne nous qui sont là. Gagne nous qui bel et bien goûté dans le Petro Caribe. Mais il n'y a pas qu'à parler. Il n'y a pas qu'à parler. Mais c'est peut-être ça que Yves Juste nous-mêmes nous dit. Bataille là, elle n'a pas continué. Yves Juste, est-ce que Mélan Maniga n'est pas lui même qui te monte constitution ça pour oligarque Syrien Libanais en Haïti, international. Là, n'est pas lui même qui te monte qui vient paraître là. La fille qui moune encore, n'est pas lui même? Correct. Mélan Hippolyte Maniga, Renan Georges, c'est deux mondes qui participent à l'élaboration. Constitution 1947 là. Et aujourd'hui, le Maniga qui était fait constitution 1947 là, côté que le dit, la constitution, aucun monde pas de droit violer principe constitution. Et aujourd'hui, il y a un monde qui viole principe constitution, c'est Mélan Hippolyte Maniga. Parce qu'elle décidait à le servir pour voir. De facto Ariel Henry, parce que décider retourner le vomi sur Ariel Henry. Je viens, Mélan Maniga, à 82 ans, comme le figurine qui bat bas devant la vie, je viens, où est la fonde de l'âge, côté que la servi pour voir Ariel Henry. Et vous ne pouvez pas espérer en rien de Mélan Maniga, parce que je viens, Mélan Maniga, qui te prend, yon machin bolet, pour mettre notre tête parti politique, RDMP, que
Les filles François Maniga, t'es battu sur le base de société. Côté que c'est des cadres, c'est des municipales à l'école, c'est des universitaires qui étaient pour le parti politique ça, ou elle était bonne parti politique là, avec le Marcel Bolet, je viendrai avec espérer de arrêter de Milord Maniga. Et je viens, il y a tout le monde qui dit que Milord Maniga, automatiquement, lui, il est là, comme nous, notre conseil de vision, première loi, il parle de vous mener. C'est loi sous question homosexuelle là. Parce que en tout le monde fait connaître Milord Maniga comme volé sous le fond de Baréli, malgré les années de ans. Pour aller voir ça, l'encommunion coup, puis précisément, l'enverrer, côté que Bandi Favier continue à faire la loi, l'encommune verrait. Hier soir, aux environs de 10h30 du soir, Bandi l'encommune Favier débarquer dans Verrette. Côté que c'est pas des coups d'œil qui va tirer dans la commune Verrette. Bilan vraiment lourd. Côté que des 8 mounes dans la commune Verrette qui sont nourris en bas coup de balle. Bandio et puis 6 les autres que Bandio kidnappé, ils ont allé avec Nexao dans la base. Il faut que nous disions, action salive des produits par Bandio, c'est par rapport avec la population qui vit dans la commune Verrette là. C'est obligé de mettre barricade dans toute route, dans Verrette, de façon pour être, dans les mesures, ils sont capables d'éviter la circulation bandit dans la zone. Et bien, pendant que les habitants ont mis barricade dans la commune Verrette, ils ont pu sauter sous 3 présumés bandits dans la base Savier qui ont acheté des balles pour les bandits Luxon. Et bien, la population a pu tuer. Qui est le bandit ça yo, et puis nous, le bandit, c'est pas le sauver en bas de la population. Quel bandit qui sauve là, lui a le côté message là, dans la base Luxon, dans sa vie, s'entendez là, dans le temps, quand vous commencez à faire noir, il a démarqué la commune Verrette, côté qui a été tué, deux bandits pour le roi, il a tué eux-mêmes 8 personnes de la population, et puis il a kidnappé 6 lois. L'autre information qui domine l'actualité, déjà, direction centrale, police administrative, qui est un nouveau directeur général là-dedans. C'est Alain Auguste, qui est nouveau directeur central, police administrative. Il a placé le poste là, inspecteur Joanny Caneus, qui passait plus passé 8 à 9 mois le poste là. L'installation, nouveau directeur central, police administrative là, inspecteur Alain Auguste, fait qu'on est l'hyper bataille pour un intimésu, il est capable de retourner administrer l'institution. Là. Pendant ce qu'on est, la police a travaillé dans toutes les mesures pour comment que nous capables de bataille pour éradiquer le phénomène de gangsterisation dans le pays d'Haïti. Après que l'autorité Canada ait été sanctionnée, Chérif Abdallah avec Gilbert Bidjo, eh bien, tous les deux citoyens, dans le ministre de parler là, n'ont pas représenté aucun consul en Haïti encore. Chérif Abdallah, qui peut représenter consul Italie en Haïti, eh bien, selon le ministre des Affaires étrangères, pays Italia, n'ont pas reconnaître Chérif Abdallah comme consul en Italie en Haïti. Désormais, pays Italie fait qu'on est là, chassé, couché fou là, il y a un nouveau consul qui est capable de représenter Italie dans le pays d'Haïti. C'est même constat pour le pays Israël qui dit clairement que Gilbert Bidjo n'a pas représenté Israël en Haïti comme consul honoraire encore. Désormais, c'est Reven Bidjo qui est petit Gilbert Bidjo qui est nouveau consul Israël en Haïti.